Nous n'avons pas pris l'avion pour aller au Japon. Nous sommes à Elista. C'est une ville bouddhiste, une des rares villes bouddhistes dans l'ouest de la Russie. Il y a a priori le plus gros temple bouddhiste d'Europe ici. Et donc là, Émilie est en train de faire le tour d'une route du bonheur. Il faut faire 3 fois le tour pour avoir de la chance. Donc elle essaie de faire des dizaines de tours pour avoir vraiment beaucoup de chance pour passer les steppes. La ville est vraiment, vraiment sympa. Il y a un côté très moderne et après il y a un côté beaucoup plus traditionnel avec Émilie qui ne va pas se pousser et donc qui va être sur la vidéo. Voilà. Et donc là, on reconnaît la porte d'entrée un peu comme dans les quartiers chinois dans les différentes villes. Enfin voilà, une ville vraiment, vraiment sympa. Mais vraiment typique par rapport à ce qu'on a vu. Et d'après mon informateur Johan, d'après ce qu'on verra dans les jours et les semaines à venir.